règle générale, on prévoit une journée de mise à l'eau des pontons et une journée de tirage de ligne et après une journée de réglage derrière. On mobilise une trentaine d'agents pour le montage du bassin et répartir, on va dire, la plus grosse partie, c'est le jour du tirage de ligne, où là il me faut largement plus de monde, donc une vingtaine. Et après, bah, c'est une dizaine pour les pontons et trois ou quatre après pour les réglages. Pour la mise à l'eau des pontons, donc on a tout le matériel est stocké en bord de la base d'aviron. Donc une grue vient, nous accroche les pontons, donc on a un ordre à respecter. Donc on monte le ponton de départ 2000 en premier. On le monte entier sur l'eau, qui fait à peu près 180 mètres. Et ensuite donc on l'emmène à sa position réelle. Alors le ponton est fixé à des corps morts qui ont été installés à la zone de départ. Donc on prend les câbles, on les emmène jusqu'au ponton et ensuite grâce à une poulie, on tend au maximum, on tend le ponton, ça coule les bouées. Et ensuite on fait la même opération quand les lignes d'eau sont là, ce qui fait que le ponton est tenu autant devant que derrière par des câbles tendus. Donc à l'arrière, c'est des câbles à 45 degrés. À l'avant, les câbles sont droits à 1,50 m sous l'eau. Oui, elle va partir aussi là. C'est bon, c'est prévu. Alors ce matin, c'était de tirer donc les lignes d'eau. On a entre 2 et 3 personnes qui sont au niveau des tourées, puisqu'il faut quelqu'un qui puisse freiner le touré à tout moment si ça dérape. Et un, voire deux, qui accrochent les bouées au fur et à mesure, et un agent dans un bateau qui tire cette ligne sur les 2000 mètres, qui l'emmène jusqu'au ponton de départ. Alors il y a 11 câbles pour faire 10 couloirs. Ça, c'est sur la configuration régate de Savoie. Ensuite, sur les championnats du monde, il en faut 8 plus un de sécurité, donc il y aura 9 couloirs. La distance fait 2000 mètres en tout, avec 100 mètres de freinage. Donc du ponton de départ jusqu'au niveau du chalet du lac, du ponton du chalet du lac, il y a à peu près 2150 mètres. La ligne d'eau pour avoir les bouées pile poil, elle est faite sur... donc c'est un câble de 2200 mètres à peu près, qui est à 1,60 m sous l'eau, où il y aura des petites suspentes avec une bouée qui est tous les 12,50 m, écartée tous les 12,50 m. Voilà, donc tous les bateaux à moteur, bien sûr, peuvent passer, les bateaux électriques. Il y a juste pour les pêcheurs à la traîne où ça pose problème, où il faut vraiment qu'ils relèvent leur traîne et ensuite qu'ils la replongent. Eh bien, le démontage, donc c'est l'opération inverse. Donc on enlève les lignes d'eau, donc on décroche au 2000. Là par contre on n'a pas besoin de bateau, donc on décroche et au ponton d'arrivée on enroule ces câbles avec un moteur électrique. Et ensuite la deuxième phase, c'est donc on ramène les pontons au niveau de la base et l'opération est inverse, à ranger avec la grue. On accroche sur l'eau et ils nous les stockent en bord de base.